Are we recording yet, mommy? Oh, great. Okay, bonjour, welcome everyone. Je m'appelle Wilson. My name is Wilson. Some of you know me already. I am the Wiki Loves Africa facilitator. And today we'll have a session. Well, of course, we are in Wiki Loves Africa training sessions where we try to improve not only the quantity, but the quality of the contributions. As you all know, Wiki Loves Africa has just concluded the upload phase, and we are moving gradually into the cleanup and the jury phase before we announce the winners for the year 2024. All of us agree that the theme of Africa Creates has been very interesting and has had some super interesting contributions and uploads. I'm excited to see all of the results, and I'm here for it really. And I'm also enthused to see whoever turns out as the winner for this year. Today, we are having another training aimed at cleaning up the contributions, excesses, errors, and mistakes from the uploads that have been uploaded for the Wiki Loves Africa 2024 Africa Creates. And with us today is the very, very experienced Mermoz Adodo. Interesting, because in Nigeria, there's a politician who's called Adodo. He's actually a governor now. Monsieur Mermoz, your namesake in Nigeria. Okay. Mermoz will be showing us from a wealth of many years of experience how to clean up after a Wiki Loves Africa contest. And it simply involves adding the right tags, changing, making the right name corrections, moving the right photos to their namespaces, cleaning up categories, making sure that everything is well descriptive and it's in the right places and not in the wrong places. So it's a bit, it's slightly technical, but borderline basic. So I'm sure that you will be able to follow along and enjoying us. We are hoping that after this training, we'll have more people help out with the cleanup, which is perhaps the most difficult part of the contest, because Wikimedia Commons does not belong to only Wikilabs Africa. It belongs to quite a number of other people, and we want to make sure that the uploads that we're sending are very useful. So the next voice you will hear is that of Mr. Mermoz, who is from Benin Republic, and a great Wikimedian, my personal friend, and a friend of Wikilabs Africa for donkey years. Mermoz. Oui, Wilson, merci beaucoup. Merci. Je vais partager mon écran. OK. Do you see my screen? What's action? Not yet, Mermos. Okay. Now it is good. Yes, we see it. Okay. Une minute, le temps que ça s'échange. OK.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On m'appelle Memouz Adodo. Je suis l'un des ambassadeurs francophones au Kilos Africa 2024 avec ma collègue Minette, camerounaise. Je pense qu'elle va nous rejoindre bientôt. Nous sommes deux ambassadeurs pour la partie francophone. Membre fondateur de Wikimedia du Benelux User Group, je suis Wikimédien depuis 2018. Mon username, c'est Adoscam. Voilà un peu. Co-organisateur de Wikilos Africa depuis 2019 jusqu'à ce jour. Just saying this, some of you might hear Memo speak some French, but yeah, it's Memo's is French, but he also understands some English, so he will be interchanging and code mixing from time to time, but the training will be graphical, so he will show you on his screen what he's doing, which you can replicate on your screen. And if you have any question, you can write them in whatever language you are comfortable with, and Mermoz will respond. Merci. OK. Bienvenue à cette session. Voilà. Je vais introduire, nous allons parler du contexte. Et après, nous allons parler de Wikicommons, un peu les statistiques. Nous allons parler des conclusions. Et après, nous allons faire les questions-réponses. Et après, nous allons passer à la pratique et à la vérification des images avec des questions-réponses. Alors, Wikilos Africa, c'est un concours photographique annuel lancé depuis 2014, dont l'objectif de rendre visuel l'Afrique dans toute sa dimension culturelle, dans toute sa diversité culturelle. Et donc, ça a été lancé en 2014 et supporté par. Organisé par Wiki in Africa, supporté par la Fondation. Et au départ, en 2014, il y avait une dizaine de pays, environ une dizaine de pays qui ont participé. Mais aujourd'hui, en 2023, il y a c'est fait dans plus de 55 pays à travers 32 communautés. À travers 32 communautés et plus de 100 millions. 100 000 images ont été collectionnées par 11 000 personnes. Et donc, depuis 10 ans, ça veut dire que Wikilos Africa a 10 ans cette année et a impacté plus de 32 communautés dans 55 pays en Afrique. L'objectif est de rendre plus visible l'Afrique dans toute sa dimension, dont les thèmes varient d'une année à une autre. Ce n'est pas comme les autres concours où le thème est fixe. Chaque année, il y a un vote et on change les thèmes d'une année à une année. Et vous allez voir, en 2014, c'était la cuisine. En 2015, c'était la culture et la mode. Et en 2016, c'était sur la musique. Et en 2017, les gens au travail. Et en 2019, à laquelle moi j'ai participé pour la première fois, c'était le jeu. Et en 2020, c'était l'Afrique en mouvement. En 2021, c'était la santé et le bien-être. En 2022, c'était l'habitat. Et en 2023, c'était le climat et le temps. Et en 2024, cette année, c'était l'Afrique créée. Donc, du coup, c'est pour vous montrer un peu que, voilà, ça varie, les thèmes varient d'une année à une autre pour donner une certaine créativité, donner une certaine vigueur. Une certaine bonne ambiance à ce concours. Alors, donc, on ne peut pas parler de Wikilos Africa sans parler de Wikimedia Commons. Wikimedia Commons, c'est une bibliothèque. C'est une médiathèque plutôt. C'est une médiathèque multilingue qui prend des sons, des vidéos, des images réutilisables sur d'autres projets, même à des fins commerciales.
Mais le contenu doit être à vocation pédagogique et relevant du domaine public. C'est-à-dire que quand vous déposez le contenu, c'est pour le public. Ça ne vous appartient plus. Ça appartient à la communauté. Donc, une médiathèque, c'est comme une bibliothèque, mais cette fois-ci, ça rassemble les médias, ça rassemble les photos, les sons et les vidéos. Donc, c'est parmi tant de projets comme Wikipédia, Wikidata et tout ça. Donc, Wiki, comment ça est l'un des projets de la Fondation. Le 7 septembre 2004, ça a été inauguré. Le 15 avril 2010, ça a franchi la barre des 10 millions. Et actuellement, il y a plus de 105 millions de fichiers actuellement qui sont sur Wikipédia Commons. Vous avez vu comment ça évolue. Donc, c'est une médiathèque qui sert de dépôt commun pour les différents projets. Il n'est pas nécessaire d'appartenir et d'avoir un compte sur le projet. Avec un compte Wikipédia, vous pouvez y accéder et ça permet d'enrichir voilà, les différents projets qui sont dans le projet Wikimedia. Et c'est fait grâce à vous, grâce à moi, grâce à tout le monde. Tout le monde peut participer, on n'a pas besoin d'appartenir à une communauté. Donc aujourd'hui, il y a plus de 105 millions de fichiers actuellement qui sont sur Wikimedia Commons, qu'on peut utiliser sur d'autres projets. Alors, quels sont les utilisateurs? Il y a deux types d'utilisateurs. Il y a les réutilisateurs de contenu et les producteurs. Les réutilisateurs, c'est ceux qui viennent et qui copient et qui le distribuent à des fins. Et les producteurs, c'est chacune des personnes qui a les responsabilités qu'il utilise sur Commons. Maintenant, les producteurs, c'est comme vous et moi. Donc, voilà les principales personnes qui utilisent Commons. Alors, que vérifier sur Wikilos Africa, Wiki Commons, après Wikilos Africa? Alors, il faut vérifier les droits d'auteur. Voilà, il faut vérifier les droits d'auteur. Il faut respecter les droits d'auteur quand on met une image sur Commons. Il faut marquer les images avec, voilà, marquer les images qui sont marquées avec filigrane, il faut les vérifier, télécharger avec les dates appropriées, vérifier les demandes de suppression, les images sans référence des pays, il faut essayer de le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle le clean-up, comme nous avons dit, les pays, il faut les mettre. Les images qui n'ont pas de balises de maintenance, il faut les mettre. Il faut ajouter les catégories parce que c'est très important d'ajouter les catégories. Les catégories permettent de rendre plus visibles les images. Donc, on recommande vivement aux gens voilà, de mettre les catégories. Les catégories permettent d'organiser les médias afin de les retrouver plus facilement. Donc, tout fichier doit avoir sa catégorie. Soumission d'images, vous pouvez soumettre les images en vedette, en qualité ou valorisées. Donc voilà un peu. Alors, il y a trois types de labels, les images. Il y a les images de qualité, les images de valeur, les images remarquables, dont les compréhensions, ça varie d'un label à un autre. Donc, par exemple, pour les images de valeur, c'est considéré comme la plus grande valeur de son genre, c'est-à-dire une illustration plus grande qui a de la valeur. Et les images de qualité, c'est beaucoup plus technique. C'est beaucoup plus technique. Donc, et les images remarquables, c'est des images qui ont un caractère exceptionnel. Caractère exceptionnel. Donc, c'est un peu cela. Donc, il y a trois labels d'images que l'on peut faire. Mais c'est après avoir fait tout le clean qu'on peut faire, qu'on peut procéder maintenant au clean des images. Alors, vous pouvez aussi explorer d'autres concours. Il y a Wikilos Moulinex, il y a Wikilos F, Wikilos Africa, Wikilos Folklore. Voilà, je pense que pour les nouvelles communautés qui sont en train de se construire, voilà, vous pouvez explorer tout ça. Il y a Wikilos Plante aussi. Il y a plein de concours auxquels vous pouvez participer.
Alors donc, explorer des sites web, et voilà, la conclusion, c'est que je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure sans réserve pour enrichir vos publications. Que vous soyez photographe ou non, amateur ou non, illustrateur, vidéo, assurez-vous de respecter juste les droits d'auteur et rejoignez-nous. Rejoignez-nous pour examiner et évaluer les images de Wikileaks Africa et même pour les années précédentes, parce que Wikileaks Africa s'agit depuis 10 ans. Ensemble, nous pouvons améliorer la visibilité de ces images pour peut-être plus. Voilà, merci beaucoup. Et en attendant de passer maintenant à la pratique, je vous dis merci. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Wilson, before we go to the student party for practice, I'm at the end of this presentation. I don't know if somebody wants to ask a question. I'm available. S'il y a des gens qui veulent poser la question, des questions, vous pouvez poser des questions, je suis disponible, d'accord? Non, je n'ai pas de. Non. OK. Donc, on va passer à l'étape suivante, qui est de checker les images. Vous pouvez prendre la parole. Alors, je partage mon écran. Il y a cette page que nous avons créée, The Evaluation. Je mets le lien dans le chat. Voilà. Et du coup, alors, donc, vous pouvez nous rejoindre dans cette aventure où nous ne sommes pas assez nombreux. Nous avons besoin des gens pour, voilà, pour se joindre à nous. Et donc, ici, on peut faire, c'est une page où on a recensé plusieurs informations, les labels, les trois labels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et les nominations, on fait les différentes évaluations. Comment il faut proposer et ainsi de suite. Et il y a aussi la liste des images, voilà, les idées, les images qu'on peut soumettre. Je n'ai pas mis à jour cette page-là. Et voilà, les médias du jour qui sont utilisés, voilà, et, qui sont utilisés grâce à Wikileaks Africa sont là. Je clique sur une des images ici pour voir. Et
Ensuite, voilà la partie qui est très intéressante, c'est ici, le check-in, le lien. Alors, je vais mettre aussi dans le chat. Voilà. OK. Maintenant, c'est dans le chat. Merci à Florence qui nous a permis de mettre en place cette. Qui fait le check-in chaque année, qui met à jour cette plateforme. Alors, ici, c'est rassemblé presque toutes les images. C'est comme un guide, c'est une orientation qui nous permet de voir un peu. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il y a plusieurs choses qu'il faut vérifier. La première chose qu'il faut vérifier, c'est le copyright, c'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur. Et en dehors de ça, est-ce que des images sont marquées? Pour se vérifier ici, par exemple, voilà, il y a une liste. Il y a une liste, voilà. Et là. Comme on voit. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous arrivez à voir mon écran? Oui. Vous voyez ce que je partage? Oui. Donc, tu vois, quand je prends par exemple l'image là, c'est pas bon parce que c'est bon, hein, mais c'est que c'est signé. Ce n'est pas bon. C'est les images qui sont déjà d'office éliminées pour le concours. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Et pour le faire, alors, donc, quand on vient, on voit une image comme ceci, on voit ça. Alors, la première des choses, c'est que moi, je vais vérifier est-ce qu'il y a les métadonnées ici. Il n'y en a pas. Clairement. Et en dehors de ça, je vois est-ce que ça a une géolocalisation. Non. Il n'y a pas les coordonnées géographiques. Et ensuite, ce que je vérifie ensuite, je vais alors voir et celui qui a écrit, celui qui a mis l'image. Je viens ici. Ça, c'est son pseudo. Je peux rapidement voir qui il est. Simplement dans la liste. Progress. Voilà. Voilà. C'est de pouvoir un peu ce qu'il est et que. OK. C'est un Nigérien. Il est du Nigeria. Alors, ici, je viens maintenant au niveau de sa page de discussion. Sa page de discussion. Voilà. Sur sa page de discussion, je vais voir un peu les informations qu'il a reçues. Voilà. Il a reçu que une de ces images a été supprimée. Alors, je peux évoluer, avancer et voir un peu les différentes images qu'il a pu télécharger, voir un peu voilà le travail qu'il a fait. C'est bien le temps. Alors, je descends ici. Je vais voir fichier importé. Alors, fichier importé, du coup, voilà, vous avez vu. Alors, je vois que alors, le monsieur, là, beaucoup d'images sont signées. Ouais. Beaucoup d'images sont signées. Alors, voilà, vous voyez. Alors, quand c'est comme ça, voilà, ça là, c'est bon. C'est bon, mais bon, et ça n'a pas tenu. Voilà. Ça aussi, c'est bon. Bon, mais ça n'a pas toujours les. Alors, quand ça se passe comme ça, alors je lui dis, qu'est-ce que je fais? Je vais sur sa page de discussion directement et je peux lui laisser un message. Pour lui dire, bon, voilà. Je le remercie.
Excusez-moi. Je peux faire. Voilà. Je peux faire un message ici et dire, bon, voilà, je le remercie pour d'avoir mis des images magnifiques dans le cadre du concours. Est-ce que pour les prochains concours, ou bien c'est les prochains téléversements, est-ce qu'il peut faire en sorte que les images ne soient pas signées ou bien autodatées? Et je signe. Voilà. Donc, je peux le faire ici. Et comme c'est juste une démonstration, je pense que tout le monde sait le faire. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Alors ici, et bon, je n'ai rien à ajouter. Je pense que je peux avancer. Bref. Alors, quand je reviens sur le film, j'ai pu avancer. Ça, c'est juste un exemple que j'ai donné. Voilà, ici. Et là, les images qui sont sans pays. Ouais. Les pays ne sont pas là. Alors, je peux cliquer. Je vois. Ouais. Donc, les requêtes étaient bien. C'est les requêtes qui. Alors, quand je vois une image comme ça, je vois une image comme ça, je vois que bon, voilà, c'est dans le, ah, ça, c'est Wikiloc Folklore. Donc, quand je ne regarde pas ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ça finit ici. OK, là, ça, c'est dans le cadre de Wikiloc Africa. Et il n'y a pas le nom du pays ici. Quand il n'y a pas le nom du pays, alors je vérifie un peu. C'est quel pays ici? Alors, comme je n'ai aucun indice, alors je peux voir un peu qui la personne est. Je pense que c'est de la Nigérian. Ok, donc je pense qu'il est de la Namibie. Alors, quand c'est comme ça, je suis ici. Un instant. Vous pouvez toujours poser vos questions, hein? Vous pouvez toujours m'arrêter et poser des questions.
Oui, vous voyez mon écran? Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, on va ton écran. OK, d'accord. Alors, donc, ce que je voudrais, c'est qu'il y a une image. Je vais vous montrer un peu comment on peut changer la date, le. On peut mettre le pays. Voyez. Si c'est pour le Bénin, par exemple, alors c'est l'Ouest de l'Africa et puis on met BJ. D'accord? Maintenant, comme c'est la Namibie, je ne connais pas, mais je vais mettre NB pour voir. NB, et je fais prévisualiser. Ah, ok. Ça n'a pas marché. Je mets NM pour voir. NM. Si quelqu'un connaît le code de la Namibie, faut me dire. Hein. Non, pour le Togo, quand même, c'est TG, donc tu peux utiliser TG pour voir. Non, pas, puisque ce qu'on veut faire là, c'est pour la Namibie. Donc, Une image de la Namibie, c'est ça? oui, c'est une image de la Namibie. Donc, Donc, je sais que pour le ah. Cameroun, c'est CM. Vous voyez, c'est CM. Si c'est la Gambie, par exemple, ça devient GM. Voyez. Okay. Bon. Il faut que je check un peu pour voir. Ok, je peux bien Oui. retrouver. Oui, tu peux m'aider à retrouver. Je vais juste envoyer la page de leur événement, donc tu peux extraire ça à partir de là. Oui, OK. OK, tu as envoyé ça dans le chat, c'est ça? Oui. Bon, je ne sais pas encore ici. OK. Du coup, copier. Bon, j'ai un problème de connexion. Excusez. Ah oui, mais je ne peux pas voir. Oui, ce n'est pas d'événement. Bon, je ne peux pas connaître encore le. Avec ça, je ne peux pas connaître le code. Vous voyez. Pas connaître. OK. Alors, OK, super. Je pense que c'est bon. Ouais. Oui, c'est NA. OK. NA. C'est simplement NA, il fallait mettre. Oh. Je devrais mettre juste NA ici. Non, NB. Donc, NA. Et je publie. Et du coup, donc, cette image vient de rentrer. Et ah, non, il y a un problème. J'avais oublié. Deuxième. Voilà. OK.
OK. Donc, du coup, voilà, je viens de mettre le pays. Donc, c'est très important de le faire. Sinon, les images sont perdues comme ça. Et on peut ne pas, voilà, savoir. Allez. Et là, si je veux, je peux ajouter d'autres catégories. Hein, mais bon, si je ne veux pas, je vais avancer. Pardon. Oui. Donc, j'étais en train d'avancer. J'avais une liste, par exemple. Donc, si je prends encore une liste, une autre image par hasard pour les pays. Donc, voilà, ici, par exemple, voilà. Ou voilà. Ça, c'est, on a dit Wikimedia Gombe. Gombe, c'est où ça? Donc, alors, il faudrait que je commence à checker. Alors, c'est quel pays, ça? Pour le faire, j'étais encore plus. Voilà, il est doux. Voilà. Pense qu'il doit être négé là. Ça. Ok. Du coup, quand je prends alors l'une de ces images, pour voir un peu ces images, les images qu'il a mises, je viens d'un fichier importé pour avoir un peu de précision. Voilà, donc il est nigérien. Du coup, ça veut dire que l'image là en question, c'est Nigeria. Donc, qui n'est pas tagué. Voilà. Je le colle ici. Bon, excusez-moi. Je le colle là. Je mets MG. MG. J'espère que c'est bien ça. Prévisualiser. Ah. Il y a toujours, j'ai oublié une dernière balise. Excusez-moi ici. Oui, voilà. Donc, je viens de mettre alors cette image-là dans le pays. Sinon, on l'aurait perdu. Et autre chose, voilà, on peut voir un peu ici la catégorie. Voir, bon, moi j'ajoute un peu la catégorie, je peux dire ça, c'est un nom, mais je peux dire men. Let's walk in Nigeria. Voilà, bon, on peut chercher d'autres catégories, hein. Voilà, et d'améliorer ici de suite. Et dès que je fais ça, je vais voir un peu, voilà, qu'est-ce que je peux mettre encore. Et puis bon, si je veux, alors après avoir fini après avoir ajouté toutes les catégories, voilà, toutes les informations et tout ça, alors si je veux. Voilà, check là. OK, imagine que check. Je peux supprimer la catégorie là. Et là, ça va que j'ai fini. Mais moi, je ne le fais pas souvent parce que je ne suis pas sûr de l'avoir totalement réussi. Et du coup, quand je suis comme ça, que je vais peut-être continuer le travail, je me concentre. Alors, je vais revoir alors les différents écrits que monsieur, la personne a fait, parce qu'il est probable qu'il fasse les mêmes erreurs. Ouais, qu'il ait laissé les mêmes choses comme ça. Ou je vais alors prendre. Voir si c'est comme ça. Passé.
OK, tout le reste, c'est bon. Il a mis des vidéos. Voilà. C'est déjà dans le pays. OK. Si. Pour ceci aussi, c'est bon. Il a mis dans le pays. Et généralement, les images où il y a des hommes, où il y a des êtres humains, comme ça, faut mettre, faut prévenir. Voilà. La permission. Alors, oui, parce qu'il y a quand il y a des donc avertissements sur le droit d'auteur, donc quand on n'a pas le consentement, il faut toujours, quand l'usage de la personne est là, il faut toujours le faire ici pour protéger. Voilà, donc c'est l'un des travaux qu'on fait. Et si je veux, je peux rester dans ce cadre-là et faire des choses. Alors, j'ai pu toujours avancer. Vous pouvez m'arrêter et poser des questions. Hein. Alors, donc du coup, pour les images qui ne sont pas sans pays, dont les pays ne sont pas, voilà, ne sont pas, donc il y en a 79 comme résultat. Donc il y a du boulot. Alors, donc, dès que, si je veux, je peux avancer. Quand j'avance, par exemple, comme ceci. N'y a pas de catégorie. Bon, je peux avancer. Voilà, ajouter les catégories, les descriptions, ça, si je veux. Je vais rester ici comme ça. Cliquer et voilà ce que ça me donne. Alors, ouais, quand je vois une image comme ça, c'est très joli. Ça me pose des questions. Je regarde. Il n'y a pas de métadonnées. Donc, il n'y a pas de métadonnées. Alors, après ça, mis Sahara. Bon, est-ce que c'est le Sahara? Je ne sais pas. Bon. Façon, je cherche un peu, je suis déjà là, mais bon, est-ce que il y a une catégorie que je peux ajouter, par exemple? Bon, s'il n'y a pas grand-chose à faire, si je n'ai pas d'informations, assez d'informations là-dessus, je passe. Et je viens ici, par exemple, je cherche Afrique. Oui, c'est très important de décrire les images. Ouais. Un titre comme ça, Afrique, et on sait qu'on ne saurait jamais utiliser l'image. Ouais. Le titre et l'image ne sont pas vraiment en concordance. Peut-être que dans la description, on pourrait l'avoir. Dans Dans la description, il n'y a même pas de description ici. Ouais. N'y a pas de description. Il faut trouver des descriptions. Voilà, là aussi il n'y a pas de description, il faut pouvoir trouver une description. Je pense que ça c'est la neige ici, les Alpes sur la neige en Algérie. Donc, vous voyez un peu le titre de l'image n'est pas conforme à l'image qui est là. Et donc, il y a vraiment du boulot à faire là. Et du coup, alors, si je veux, je peux alors dire. Voilà. Et je peux renommer, ça c'est un renommage.
reprécise, tout le monde ne peut pas faire le nommage. Et vous pouvez demander qu'un administrateur vous renomme le fichier. Alors, je peux dire des arbres dans la neige en Algérie. Arbre. Mais je sais bien ça. Hein. L'Algérie. Voilà. Et je fais renommer. Le fichier à renommer. Ah, j'ai mis dans la neige. Dans la neige. Excusez-moi. Dans la neige. Alors, je pense que c'est mieux. Excusez-moi. Quand c'est comme ça, c'est mieux. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Donne-moi une minute. Sans vos questions, parce que depuis là, je parle seul. Hein. Avez-vous les questions? S'il n'y a pas de questions, c'est que tout va bien. Je peux continuer. Mais arrêtez-moi dès que vous avez besoin. Si vous avez des questions. Ah, excusez-moi. Où est mon écran, non? Oui, nous voyons l'écran. Alors, donc, les titres comme ça, Africa 40, c'est pas bon. Ces images-là risquent de ne jamais être trouvées. Alors, quand ça se passe comme ça, c'est vraiment du boulot que cela nous donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'organisateur, lorsque vous finissez les concours, il faut prendre chaque image et le travailler. Ouais. Prendre chaque image, ajouter les catégories, les renommer, refaire les différentes descriptions. Sinon, ces images ne pourront jamais être utilisées. Alors que c'est cela l'objectif premier, mettre les images pour qu'elles puissent être utilisées plus tard. Alors, donc, j'ai vu Africa, Africa, Africa. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant aller sur les contributions de la personne. Non, contribution plutôt. Contribution. Voilà. Donc, et je viens sur fichier importé. Je viens sur fichier importé. OK.
Je vois qu'il a mis Africa, 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 Africa. Ouais, c'est pas bon. Bon, donc, ça, c'est pas Africa. Africa, non, c'est une fleur. Tout au moins, il faut dire que c'est une fleur. Ça aussi, c'est une fleur. Ouais, donc là, parfois on est confronté à des difficultés, on ne sait pas réellement voilà, ce qu'il faut mettre. Et parfois tu es obligé d'aller écrire à la personne pour dire, mais telle image, est-ce que tu peux donner une précision, par exemple? Oui, Africa, Africa, Africa. Donc, bon, je vais juste donner un exemple comme nous sommes juste en démonstration. Alors, donc, dès que je viens là, je vois que, bon, la personne. Alors. Cette image, par exemple, je te dis à la plage, puis de la plage, et non Africa. Alors, pour ceux qui n'ont pas le droit de renommer des fichiers, ils peuvent demander, hein, pas demander ça, qu'ils cliquent ici, et ça leur permet alors de dire le nouveau nom. Mais comme j'ai le droit de renommer le fichier, ça me permet alors de renommer directement. C'est pas tout le monde qui a le droit. Si vous voulez avoir le droit, il y a la plateforme pour demander, poser votre candidature et les administrateurs vont vous donner le droit. Et du coup, moi, je viens ici, je veux renommer, je peux dire, voilà, vue de la plage en Algérie. Vue sur la plage. Algérie. Et voilà. Ouais. Ça n'a pas de description. Alors, donc, pour la description, alors, il faut mettre, je viens ici, et je mets la description avant le pays. Parce que les templates, la description vient avant le pays. Là, je peux copier, voilà. La description que j'ai faite ici pour le mettre comme le titre que j'ai fait pour le mettre comme description. Du coup, voilà, donc l'image là désormais a une description, a un titre. Ça n'a pas de titre. Alors, en tant que tel, on peut ajouter d'autres catégories, mais comme je ne suis pas encore sûr des différentes catégories, voilà, donc je laisse quelqu'un va venir de compléter. Alors, donc, l'image qui suit, par exemple, je pense que ça doit être aussi peut-être la même chose pour aller plus vite. Bon. Ça, c'est le temps ou bien vu du temps, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas Africa. Donc, il faut trouver le moyen alors de renommer tous ces fichiers-là. On va pas tout faire aujourd'hui. Justement, ils sont en train de montrer alors les différents travaux que nous sommes appelés à faire
La première des choses très importantes, c'est qu'il faut vérifier dans la description, est-ce que l'image est la description? Est-ce que le pays est, ici, le pays est l'Égypte? Est-ce que ça a des descriptions? Ça n'a pas de description. Ça a des catégories, ça n'a pas de catégories. Voilà. Donc, c'est très important de le faire. Mais bon, les titres, je pense que les personnes elles-mêmes peuvent savoir comment mettre les titres. Donc, voilà un peu ce qui peut dire parfois ça. On va continuer. Normalement, tous ces fichiers-là, c'est à renommer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? À part vos questions, hein. Si vous ne posez pas des questions, c'est que ça ne passe pas. Alors, j'évolue, j'avance dans mes choses. Donc, ces images n'ont pas de, pas de catégorie. Donc, il faut les catégoriser. Et donc, je peux vous parler. Donc, au niveau du Bénin, au niveau de l'Algérie, voilà. Voilà, quand vous cliquez, comme a dit Félix, ça va donner exactement les résultats. Bon, OK, là, on a trouvé 24. Ouais. Donc, il faut prendre chacune de ces images, ouais, les renommer, les catégoriser. Si vous prenez, par exemple, le Burundi, vous faites clic droit, vous faites ça. Et voilà les différentes images qui sont là. Et là-dessus, et vous essayez de voir ce qui ne va pas au niveau de chaque image. Donc, c'est vraiment du boulot. Alors, et ajouter de la catégorie. Si vous ne connaissez rien de la catégorie, bon, alors vous laissez. Si vous voulez ajouter de la description, vous ajoutez de la description. Mais bon. Donc, retenez l'image, le lien check-in là. C'est là. Je vais revenir sur le lien. On est déjà à 18h. Hein. Normalement, on a une heure de trucs là à faire. Je reviens sur le check-in. My check-in. Et voilà, j'avance. Donc, on dit, il faut ajouter les descriptions, il faut ajouter les catégories, bon, checker chaque image et voir ce qui est nécessaire de faire. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, au total, 2 900 clics. Autre chose que je voulais demander, je voulais partager avec vous, c'est quoi? Les différentes images par rapport aux évaluations. Ouais, vous pouvez soumettre les images en tant qu'images de qualité. Ouais. Pour le faire, vous pouvez regarder dans votre catégorie de votre pays, par exemple. Et voir les images qui sont peut-être des images de qualité et les soumettre. Et pour les soumettre, c'est très facile.
très facile. Donc, mais il y a des règles. Il y a des règles pour que les images soient pour des images de qualité. Donc, surtout la qualité technique, la décision, la catégorie. Et pour voir comment il faut soumettre les images, il faut venir à l'accueil. Cliquez à l'accueil. À l'accueil, il y a ici images de qualité. Voilà. Cliquez ici. Images. Voilà. Donc, vous venez ici. Vous lisez, voilà. Candidat pour image de qualité. Vous lisez tout ce que vous devez lire. Cliquez sur candidat pour image de qualité. Et vous cliquez. Ah. Dès que vous faites ça. Alors, vous avez deux possibilités. La première possibilité, l'image est prédéfinie. Vous utilisez ce côté-là, le petit trait-là. La deuxième possibilité, c'est l'image est prédéfinie. Vous utilisez ça. D'accord? Et pour le mettre, vous venez ici. Et ici. Et vous prenez l'image, simplement. Vous mettez. Voilà, vous voyez un peu les images qui sont là. Et cliquez. Donc, ça c'est. Et puis vous faites modifier. Voilà. Donc, dès que vous faites modifier. Alors, vous venez ici. Alors, si l'image ne vient pas, si l'image vient de vous-même, là, vous pouvez copier ça. Moi, c'est comme ça que je fais. Et je colle ici. Il faut. Alors, je colle ici. Ça, c'est quand l'image vient de moi. Alors, si c'est l'image vient de moi, alors, moi, je viens ici. Viens chercher une de mes images. J'ai mise. Voilà. Ça, c'est une de mes images. Je prends le nom simplement. Voilà. Voilà, ici, du coup, jusqu'à ici, et je fais ça. Je mets. Alors, dès que je fais, je viens ici, je fais alors une description. Description, qui peut être en français, une description brève. Et alors, dès que je fais ça, c'est fini. Je fais publier. Je fais prévisualiser. Et c'est fini. Ah, normalement, c'est ici. Il semble qu'il y a quelque chose que je dois activer de l'autre côté. Normalement, vous allez voir directement ça passe et mon nom doit passer, doit s'afficher ici. Je vais revoir l'activation de mes paramètres après. Donc, voilà un peu la démonstration que je peux faire après la soumission des images de qualité. Nous sommes à 18h09. Heure de temps. Il y a des questions. Et en fin de question, je donne la parole à Wilson. Si il a des choses à préciser, il précise. Merci beaucoup. Wilson.
nous turi muri hari session bari gutrenga ukuntu baprozinga amafoto kuri Google common iyo uza kuvuga afite ngo ari kubona kuri wa ariko kuri telefone wakurikira